Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator et c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors aujourd'hui, nous avons une rubrique spéciale et c'est la rubrique témoignage. Je suis avec un invité spécial, un des anciens des États-Unis, des gars qui ont travaillé dur pour rendre la vie des autres Africains un peu plus facile. Parce que ce sont des gars qui ont charbonné, qui ont subi et qui se sont fait la promesse de ne pas faire subir ça aux autres. Alors je suis avec notre invité Mahamat Hassan qui va se présenter aussi et qui va nous dire exactement comment il a fait pour arriver ici aux États-Unis. Mahamat. Oui, merci, général Alligator. Moi, c'est Mahamat Moussa Hassan. Je suis américain aujourd'hui. Oui. Donc, cela fait près de 20 ans que je suis aux États-Unis. Et donc, je suis venu avec un visa étudiant. Donc, c'était un processus pour venir aux États-Unis. Et l'époque n'est pas la même. Tout à fait. Donc, à l'époque, la documentation qu'il fallait réunir n'est pas la même aujourd'hui. Ouais. Et j'ignore certaines choses. Mais donc, voilà ce que j'ai pu faire. À l'époque, quand j'avais eu le bac, je ne suis pas allé directement à l'université. J'avais choisi de travailler dans une entreprise. Je me suis fait de l'argent et tout ça. Ça, c'était au Gabon? C'était au Gabon. Tout à fait. Donc, au bout de 2 ans, j'ai réuni les moyens qu'il fallait et puis aussi l'aide du directeur général de l'entreprise aussi, qui ouais. m'avait aussi aidé avec une certaine somme d'argent. Et celui qui, d'ailleurs, m'a sponsorisé pour venir aux États-Unis. Donc, il fallait qu'il fasse la lettre que celui qui me sponsorise, ouais. Qu'il va prendre en charge mes frais d'inscription à l'université en venant aux États-Unis et tout ça. Et avec les moyens que j'avais aussi réunis et mis tout ensemble, et c'est à partir de ce moment-là, je me suis rendu à l'ambassade des États-Unis, j'ai pris les informations et toutes les formalités qu'il fallait remplir pour venir aux États-Unis en fait. Donc, et une fois, par exemple, lorsque tu es allé en ambassade, est-ce qu'on t'a posé des questions par rapport aux documents? Est-ce qu'on t'a demandé des documents? Comment ça s'était passé exactement? Comme il y avait déjà un formulaire qu'on remplissait. Donc, sur le formulaire, il y avait tout ce qu'il fallait. Toutes les informations nécessaires. Voilà, les informations qu'il fallait réunir afin de déposer le dossier, de venir avec le dossier qu'il faut auprès de... du consul ou bien de l'officier. Auprès du consul, du vice-consul même. Avant même le jour de l'interview, il faut se préparer en conséquence. Pour ne pas manquer quoi que ce soit, tu vois. Et donc, je me suis préparé en conséquence. Et voilà, l'interview a réussi et j'ai eu mon visa comme tout autre étudiant, quoi. Et c'est important de le relever. Comme je vous le dis toujours dans toutes mes vidéos, l'interview, avant d'aller à l'ambassade, votre interview commence déjà en ligne. C'est-à-dire, toutes les informations que vous mettez en ligne, ce sont les informations qu'ils vont utiliser. Et bien avant que vous n'arriviez à l'ambassade, ils savent déjà qui vous êtes. Ils savent là où vous travaillez. Ils ont déjà fait même quelques petites enquêtes. C'est ce qui fait en sorte que lorsque vous arrivez le jour de l'interview, parfois ils ne vous demandent pas les documents. Parce qu'ils ont déjà de la doc sur vous. Vous avez commencé à remplir des informations en ligne. Ils savent déjà qui vous êtes. Donc, lorsque vous arrivez, tout dépend de la façon dont vous allez vous présenter le jour-là. La façon dont vous allez répondre aux questions. C'est ce qui fera en sorte qu'il confirme ce que vous avez mis comme information en ligne. Donc, c'est important. La façon de répondre aux questions, la façon de se tenir, et c'est important de bien remplir son document en ligne. C'est important. Donc, et une fois ton visa obtenu, après combien de temps as-tu voyagé pour les États-Unis? Donc, quand tout était au point, au bout d'une semaine, il fallait que je puisse... me préparer au niveau de bagages et autres. Tout ce qu'il fallait réunir pour le voyage, au bout d'une semaine, je me suis préparé pour le voyage. Donc,
au bout d'une semaine, j'étais déjà à l'aéroport et que voilà, j'ai pris mon avion pour les États-Unis. Ouais, et je voulais revenir sur les différentes questions à l'ambassade. Est-ce qu'il y avait des questions pièges? Est-ce qu'il y avait des questions qui t'avaient un peu troublé? Est-ce qu'il t'avait posé plus de 5 questions ou bien c'était juste quelques petites questions juste pour se rassurer? En fait, au total, c'était au moins 2 à 3 questions par là. Ouais. Comme j'étais aussi admissible au baccalauréat, j'avais une moyenne de 9 et quelques. Ouais. Et il fallait passer le deuxième tour pour avoir une moyenne, moyenne supérieure. Yeah. Donc l'officier, en fait, n'a pas vu la moyenne finale. Il a seulement regardé. Il a regardé mon jeu. Et donc, je me suis dit que tout de suite, il voulait, en fait, me rejeter le dossier, en fait. Ouais. Tu vois. Et donc, je lui ai fait comprendre qu'écoute. Non, ça, c'est la première partie. C'est la première partie. Et il fallait voir la partie finale où j'ai eu les 11 de moyenne. Voilà. Et donc, après avoir passé les 2 épreuves voilà. De rattrapage. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est rassuré et que voilà, tout s'est bien passé en fait. Et j'ai eu mon visa. Il m'a dit de repasser dans l'après-midi pour prendre mon passeport et que je me suis rendu dans l'après-midi dans le même jour. Oui. Et j'ai récupéré mon passeport avec le visa. J'imagine la joie lorsque tu récupères le passeport. Ce n'est pas n'importe quel visa. C'est le visa des États-Unis. Le visa des États-Unis. J'imagine la joie lorsque tu viens en tant qu'étudiant. Lorsque tu viens en tant qu'étudiant, c'est moins de souffrance que lorsque tu viens en tant que touriste et tu décides de rester. En tant que touriste, c'est encore pire. Mais tu es étudiant. Tu as un certain avantage lorsque tu arrives ici. C'est la joie. Et au niveau de la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe que lorsque tu arrives aux États-Unis? On va d'abord parler de l'aéroport. Qu'est-ce que tu constates lorsque tu arrives à l'aéroport des États-Unis? Tu es parti de ton pays, le Gabon. Tu arrives à l'aéroport des États-Unis, pays de lumière. Justement. Mais bien avant tout, il faut aussi rappeler que le genre de visa que j'ai eu, c'était le visa F1. Yeah. Le visa le F1. Le F1. Yeah. Donc, vous voyez, en fait, aux États-Unis, pour se rendre aux États-Unis, il y a différentes catégories de visa. Tout à fait. Et ici, le visa qu'il fallait, c'est le visa F1. Ah. F1, donc c'est la catégorie des étudiants. Ah. Et donc, à partir du moment où j'ai eu mon visa, au bout d'une semaine, quand je me suis préparé en conséquence, et il fallait prendre l'avion pour me rendre aux États-Unis. Et je suis venu avec un ami, un ami qui était aussi au lycée avec moi. Nous avons étudié dans le même lycée et tout ça. Nous sommes venus ensemble. Ah. Et nous sommes rendus ensemble. Vous avez pris le même avion? Le même avion. Ah, voilà. Nous avions atterri à l'aéroport Ferdinand Kennedy de New York. De New York. Et donc, c'était en fait un nouveau monde pour moi, quoi. Mon Dieu. Donc, je me suis senti quelque part dépaysé. Il y a de quoi? Toute la lumière, et tu vois trop le monde. Tout le monde est en train de passer. Oui, et donc, c'est comme on vous disait que c'est pour la première fois. Lorsque vous voyez un poisson sortir de l'eau, il découvre un nouveau monde, en fait. Claire. Donc, pour moi, en fait, c'était un nouveau monde. Et donc, je ne me suis pas, en quelque sorte, aussi préparé en conséquence. Je ne savais pas ce qui m'attendait à l'aéroport aussi. Donc, je me suis dit que, bon, écoutez, il fallait que je puisse... c'est une petite anecdote. Ouais. Donc, je me suis rendu en chemise simple. Ouh, à l'aéroport, et en ce moment il faisait trop froid, bien sûr. Il faisait trop froid, donc je n'avais pas prévenu porter le blouson, quelque chose de lourd en moi. Oui. Donc au sortir de l'aéroport, j'avais tellement froid que vraiment je me suis mis à trembler. Et que, voilà, imaginez la toute première fois, quelqu'un il attaque le froid. Et donc vraiment sur ce côté-là, je ne m'attendais pas. Et donc, il fallait que quelqu'un puisse m'aider à acheter un jacket afin que je puisse te couvrir, me couvrir et tout ça. Wow. C'est une leçon pour vous.